Good morning and welcome in La Cuisine by Sial. Bonjour et bienvenue dans La Cuisine du Sial. Aujourd'hui, nous recevons un chef exceptionnel. Exceptionnel parce qu'il travaille dans des conditions exceptionnelles. Today we're hosting a very special chef and he is special because he is working in exceptional conditions as well. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir notre chef ce matin, Colin Bilmore. Thank you. Thank you. Colin, so I'm coming towards you. Thank you very much for being here this morning. Thank you very much for being with us at the Sial. Merci d'être avec nous ce matin sur le Sial. Bienvenue dans la cuisine. Thank you very much. Bienvenue. Vous cuisinez dans des conditions qui ne sont pas habituelles. Hein. Ce sont vraiment des conditions exceptionnelles, je le disais. It's very exceptional, the conditions in which we do eat what you prepare. Yes. In-flight catering is very difficult. We want to offer a lot of choice, a lot of quality items on board our aircraft, but space is premium. So what we have to do is to deliver a lot of items that will be appropriate to the guests. So we look at the guest profile, where the aircraft is flying, and then we put food on board that will please everybody. Which aircraft company are you working for? I work for Qatar Airways, based in Doha in Qatar. C'est donc de la gastronomie embarquée qui est à l'honneur aujourd'hui à bord donc de Qatar Airways. C'est pas évident de cuisiner justement dans des conditions qui ne sont pas celles d'un restaurant. Which challenge is it for you? One of the biggest challenges is preparing the food in hygienic conditions. Everything is cooked. Les conditions d'hygiène sont un premier défi, évidemment, of course. Everything is cooked, blast chilled, portioned, taken to the aircraft in chiller trucks, loading into the galleys, which are all air cooled with special carts. This is quite a challenge for us. But donc de portionner, de pouvoir embarquer à l'intérieur des avions ce qui a été préparé, ça aussi c'est un défi. We have a lot of logistics to get our product from the kitchen onto the aircraft and then in front of the guest. C'est une énorme logistique jusqu'à ce que le mets arrive dans sa destination finale, hein, qui est le client final. So what are we going to eat this morning? What are we going to cook? I'm going to cook for you a typical Arabic style dish, obviously coming from an Arabic airline. On va cuisiner un plat arabe typique puisque c'est pour une compagnie comme Qatar Airlines. Now this is quite unusual because I actually come from Scotland. Ah oui, ce qui est tout à fait piquant puisque Colin Bilmore est écossais en fait. So where's your kilt? That's a kind of skirt. Okay, it's a kind of skirt. Mais il est où votre kilt? Il dit bon ben il y a le tablier, c'est toujours ça. So how did you end up working for Qatar? I was invited. They asked me to come and work for them to head up their menu development team. Qatar Airways est vraiment allé le chercher pour lui demander donc d'élaborer ses menus. Wow! I've been in the industry for many years, so I've gained a lot of experience. Il a acquis beaucoup d'expérience au sein de l'industrie. I've done degustations for Air France Concorde. Concours Air France. Yes, many years ago, as you can tell. And also, when I worked in New York, we did the catering for British Airways Concorde. Et il a fait le concours British Airways et également. Alors donc le plat qu'on va déguster aujourd'hui, qu'on va préparer et que vous allez déguster aujourd'hui, c'est un plat qui est servi à bord. Donc c'est vraiment de la gastronomie embarquée. Do you have special instructions in terms of menu? Yeah. Because we fly to over 150 destinations. 150 destinations avec Qatar Airways, donc il y a peut-être des instructions particulières hein, pour la cuisine. We have over 190 aircraft, which the latest one is the X-Wing A350. 190 avions, appareils donc. And we fly into Paris the new Airbus A380, which has got first. Vous viendrez voir donc l'appareil avec lequel nous desservons Paris. I'm proud to say, I must give a mention to Jean-Michel Faure. Jean-Michel, venez nous voir. Jean-Michel Faure, chef for our catering company here in, donc, in Paris. Alors, quel est votre rôle, vous, Jean-Michel, juste pour comprendre? Je suis le chef exécutif de la compagnie de New Rest, du groupe. Le chef exécutif du groupe New Rest. Et je crée les menus pour les compagnies aériennes sous les recommandations de Colin. Qui crée les menus donc pour les compagnies aériennes sur les recommandations des chefs, par exemple Colin Bilmore. Sur les différentes
escales que l'on a dans le monde. Et sur les différentes escales que vous avez dans le monde. Merci en tout cas d'être avec nous ce matin, Jean-Michel. Et donc là, alors ça y est, on met les mains dedans. We're starting with those peppercorns. Well, what I'm going to do is just get a little bit ahead before I start the other dishes. Some more special mentions must go out to Marley over here, who's our account manager. She looks after us very well out of Paris. Paris is our third busiest station outside of Doha. C'est notre troisième destination la plus demandée, Paris. Donc pour nous, c'est une escale très très importante. So she's got a tough job. I'd like to say thank you to Mohamed El Bakouri, who's supplied these wonderful cooking units for us, or chilling units. Cook to cook, exactly. At the back, thank you very much for your support. Also, cook to cook, donc il fournit le matériel de cuisine avec la hotte intégrée, donc ça c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. And also I'd like to thank Ciao Gusto for their support as well today. It was very kind of them to help us out. So, mentioning before, we have over 9,700 cabin crew. That live in Doha, that fly daily. Most of them fly daily to over 150 destinations, and their other airlines have chefs on board, but we don't do this. But our cabin crew do a fantastic job of serving our food on board the aircraft. C'est le personnel de bord donc qui est en charge du service de la nourriture à bord. Ils sont formés spécialement pour cela, et c'est un vrai défi pour une compagnie comme la nôtre. So the menu you're preparing this morning, is it a business class menu, a premier, economic class? Okay, that's a good point. Here at Qatar Airways, we're very proud that we believe that our business class is better than some airlines' first class. Chez Qatar, on veut vraiment que notre business class, on l'estime en tout cas supérieure à la première de bien des compagnies. This setup today is our business class tray table. Ce qu'on voit devant nous, c'est ce qu'on retrouve en business. So we currently offer three choices in business class. Il y a trois choix de menu. In the future, we're going to increase that to four, so we give our guests even more choice. Dans le futur, on voudrait bien que ça monte à quatre. So our menus are quite complex. Jean-Michel and Nures do a very good job of preparing that and placing it on the aircraft. Les menus sont assez complexes à mettre en place. But it's not easy getting the menu design, keeping in mind fresh ingredients, quality ingredients, into the kitchens in great volume. C'est pas évident de travailler des produits frais dans des grands volumes. Plus, we have to heat it up. That's very complicated. Yeah. How do you manage that? We have a large amount of steam and convection ovens on board the aircraft. On a des fours à vapeur à l'intérieur de nos avions. Some airlines have microwaves, which we don't like to use, but some are very handy. Certaines compagnies ont des micro-ondes. Nous, c'est pas ce qu'on aime, c'est pas ce qu'on privilégie. And then we have Some airlines have toasters on board, etc., but we don't have those. Certains ont des grille-pain à bord ou des grilles croques, et c'est pas tout à fait ce qu'on privilégie nous non plus. Right, what I'm going to cook for you is a typical Gulf or Arabic style dish that is called Rubian al Khalij. Le plat qu'on prépare ce matin est un plat vraiment typique du Golfe arabique. So we use good quality basmati rice, which the way you can tell basmati rice is good quality is by very long grains. Du riz basmati à long grain, de très bonne qualité. So you don't want to mix it a lot so it breaks up. And the idea is that we're going to use some Arabic spices that come from the old spice route. So we have a... On va utiliser des épices qui viennent de la route des épices. Oh, c'est magnifique. It smells good. Yeah, it's very pungent. What we'll do is we'll pass it out into the crowd so they can smell it as well. Est-ce que vous voulez sentir les épices? On va les faire passer parmi vous, comme ça vous pourrez so respirer aussi. What's the mix? What's inside this Inside this there, there's cumin powder, clove powder. Du cumin, du clou de girofle. Cardamom. De la cardamome. And also, one of the stronger smells you get in Arabic cookery is cumin. Cloves. Cumin. Cloves, ground. Exactement, du clou de girofle. Ground cloves. Moulu, so évidemment. That's quite formidable. It's beautiful. Yes, yeah, very pungent flavor, smell, aroma. I mean, that comes from all the spices came from India and the old spice route. That came all the way through the Gulf, all the way through Saudi, Bahrain,
On suit vraiment la route des épices, ce qui va très bien avec notre métier de transporteur. So I've to speed things up, I've pre-chopped everything. So good, cool. I didn't want to bring knives with me on the aeroplane because How do you manage that? All of our knives on board are certified non-dangerous. Je pose la question just for a second. Comment est-ce que vous gérez l'histoire des couteaux à bord des avions? Déjà que nous, on peut à peine prendre des liquides. Comment vous gérez l'histoire des couteaux? Alors, la longueur des lames est quand même très réglementée. We do have some equipment on board. We use stainless steel equipment. We actually have stainless steel equipment in economy class as well, which is quite good quality. Donc même en classe économique, ils ont de l'équipement en inox. So as you can see here, we're going So you put some meat in. Yes. What is it? It's ground lamb. C'est de l'agneau haché, donc on a ajouté à cet oignon émincé. As you can see, so what we're making is a typical sort of Arabic or Gulf style rice that's using spices from the spice root as mentioned. Also, we're going to add into it some hard boiled chopped egg, some pine nuts, some fresh coriander. Then we're going to use our basmati. Donc on est vraiment sur quelque chose de très typique hein, de la cuisine du Golfe. On y ajoute nos épices. You don't want a lot of this because it's quite powerful. J'en mets pas beaucoup parce que c'est vraiment très très puissant, très fragrant. And we can smell, absolutely, we can smell the spices. It's gorgeous. So I've soaked my rice. On a fait tremper le riz. I've taken the starch out of it. Pour enlever l'amidon, donc du riz. So I don't want to. Et voilà, on le verse dans la mixture de viande qu'on a fait revenir, de viande d'agneau qu'on a fait revenir avec l'oignon. So directly in the pan. Yes. Okay. Directly in the pan. So you want to infuse the flavors and the aromas with the rice as it cooks. Absolutely. Les arômes des épices vont donc infuser le riz pendant sa cuisson. Gonna put a little bit of salt and pepper. Le sel, le poivre. I don't want to dip my sleeve in the oil. So what we do is we cook the rice with the flavor. I'm going to put my butter in, so it's nice and rich. On ajoute un petit peu de beurre pour ajouter du moelleux. So that's done. So I'll leave this to the end. So we'll cook the rice. On cuit donc le riz. And because we're serving it with some very nice prawns, I'm going to put some fish stock in the rice. Et on va rajouter du bouillon de poisson. Oui. Ah ouais. Yes, yes. Ah, d'accord. I'm surprised because I thought you would add some veal stock, for example. No. If you're here tomorrow, I'm back tomorrow. If you want to come and see another demonstration tomorrow, I'm going to a chicken dish, a Gulf-style chicken curry. Alors, il reviendra demain hein, pour faire une autre recette. Là, ce sera du poulet. Ce sera un curry de poulet à la manière du Golfe. Mais lamb and fish, it's funny. Yeah. Okay. So we make sure the rice isn't stuck on the bottom. We'll turn the heat down a bit. Voilà, donc on baisse le feu. So we'll leave this to cook over slowly. You want to look at that in the pan? Voilà. So you can see the butter on top. All that should go inside the rice and make it taste very nice indeed. Le beurre, vous le voyez hein, à la surface. Donc tous les bons parfums vont aller dans notre riz. On couvre. So. What I'm thinking of is, wow, how can you manage to do that in greater quantities? Because you're not you personally behind every aircraft. You know, there's not a little Colin hidden cooking for us, you know, when we take the aircraft. How do you manage to go from this recipe that you cook as a chef to the final customer? That's Jean-Michel's problem. Ah, ben très bien. Je dis mais comment vous faites parce que là vous la faites devant nous la recette. Évidemment, il n'y a pas un petit Colin caché quelque part derrière chaque avion qui fait voilà au fur et à mesure cette recette pour les clients. Comment vous faites? Comment vous gérez jusqu'à l'arrivée dans l'assiette? Il dit ah. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est le problème de Jean-Michel et effectivement du prestataire Newrest. Vous y arrivez quand même à décliner cette recette en plus grande quantité. C'est votre métier, de toute façon. C'est votre cœur de métier. Et vous n'êtes pas tout seul. Bon, formidable. Shrimps. Beautiful. If you're American, they're shrimps.
Depends where you come from. Prawns in the UK. Okay. But again, we're using the best quality available. These prawns have what, no shell, no vein inside them. Yes. And I believe that they're starved before they get taken. On a des très très belles gambas. On a retiré la carapace. On a, voilà, vous voyez, pas de veines et tout. Elles sont absolument magnifiques. Elles sont de la plus haute qualité. I'm against when you go to some restaurants, they make the prawns and they have the tail on the end. I can't understand why they do that. Well, they just take it off. You're not going to eat it. So take it off and don't use it. Parfois, dans certains restaurants, on laisse la queue aux gambas lorsqu'on le sert dans l'assiette. Moi, c'est quelque chose, nous dit-il, que je comprends absolument pas. De toute façon, on le mange pas. On devrait l'enlever. Bref, je suis contre. That's a statement. Yes. Now, so, what I want to do is to, now in flight catering, we're very conscious of hygiene. On fait évidemment, traiteur, on est très attentif à l'hygiène. What I'm going to do is take my wonderful prawns. Je prends mes belles gambas. I'm going to add our Arabic spice again. Je rajoute mon petit mélange d'épices spécial Not too Golf. Much. It's quite very overpowering. Ça met pas beaucoup parce que c'est très puissant, très fragrant. So we're going to mix all of those up. Let them leave them to marinate for a little bit. Voilà, on va les laisser mariner un petit peu. Well, my rice, check the rice. My rice is coming down nicely. The liquid is going into the rice. Et le riz hein, commence bien à se faire, absorber le liquide. What kind of oil have we put in the pan? I've used extra virgin olive oil. Oh, extra virgin olive oil. From France. Oh, that's the best. De l'huile d'olive extra vierge, française, nous dit-il. Donc, et l'oignon, là encore une fois. Okay, in my frying pan, I'm going to add some small dice of onion and some garlic. Et un peu d'ail. No, I don't want this to be too hot. I heard once, alors tell me if it's not true, I heard once that there are some forbidden food on some planes because not everybody likes garlic, for example. And you know, when you're stuck in an airplane next to someone that just ate garlic, maybe sometimes it's complicated. You have that kind of constraints. Not with garlic, no. I mean, we don't use it so it's overpowering, but we do have prohibited foods that we're not allowed to serve or use on board. Okay. We don't like to use fresh eggs. We don't like to use shellfish. We don't like to use raw fish. We can't use pork because of religion. We can't use alcohol in our cooking. That's interesting. Alors, je demande s'il y a des aliments interdits, parce que il y a rien de plus désagréable que de voyager à côté de quelqu'un qui a une haleine d'ail. Donc, ils disent, on fait très attention avec l'ail. Par ailleurs, effectivement, on va être très attentif à ne pas cuisiner avec de l'alcool, par exemple. On va faire très attention aux œufs, pas de poisson cru, voilà, pour différentes raisons. So, the prawns and the spices in the pan with the onion and the garlic. Onion and garlic, yeah. Okay. I'm going to add a little bit of salt and pepper also. Le sel, le poivre, magnifique. We should all use to make our food taste even better. Now, super. As Claude said, we're only doing one portion today, but our kitchen in Doha is actually making 120,000 meals a day. Donc nous ce matin on fait une seule portion. Mais how much? 120,000 a day. Mais notre cuisine centrale fait 125 000 portions tous les jours, ce qui est quand même assez exceptionnel. That's a real challenge. It is a great challenge. Oh wow, c'est vraiment un énorme défi, hein. It's a challenge getting the product, the volume of product, the quality of product, but our procurement guys do a fantastic job. C'est un vrai défi de garder la qualité des produits, mais nos équipes font vraiment un boulot formidable. And also, living in Doha is a very hot country. We enjoy temperatures at the moment of 32 degrees. Il fait 32 degrés hein, au Qatar. C'est vraiment c'est très très chaud. Where are you living, Colin? Me, I live in Doha in Qatar. Oh really? I enjoy the wonderful. The weather is different than in Scotland. Superb. Effectivement, au Qatar, la température est un tout petit peu différente de celle de l'Écosse, hein, d'où vient Colin. Il dit oui, mais c'est très bien. Il fait beaucoup plus chaud. Now, this is quite important. I have That's beautiful. Sort of slowly half cooked my prawns in my frying pan. Elles sont mi-cuites, hein, les gambas, elles sont vraiment mi-cuites.
that's a challenge too. Yep. So that the things are not cooked too much because they're going to be reheated, right? Yeah. The thing with the hygiene is very important, so that we have all of our food is temperature tested and controlled. So we have thermometers, core temperatures taken. So if we have a batch of chicken, when we use our rational ovens, they have probes that are bottom, middle, and top of the oven. So when the temperature is, the core temperature inside the chicken reaches 75, 76 degrees, the oven turns itself off. Okay. Let me know that the food is safe and everything on is fait okay. Très, très attention à l'hygiène. Les règles sont drastiques. Et on vérifie notamment de très près la température des aliments, y compris la température intérieure. On a des sondes pour vraiment bien travailler les températures intérieures. Ça, c'est absolument crucial dans nos recettes. You forgot the recipe, chef. Yeah, I'm just checking I've got everything in there. What's that round thing that you've just put in? What is it? Okay, this is lumi or dried lime. Again, working. C'est du citron vert séché qu'on vient de mettre dedans. Je me demandais ce que c'était que l'espèce de balle de ping-pong. A ball of ping pong. That doesn't sound right. Well, it's a lemon or a lime that's been dried in the sun. Obviously, okay. the Middle East, we reach 50 degrees plus. Évidemment. And so it's. Donc au Moyen-Orient, c'est quelque chose de très agréable de sécher les légumes, les fruits, et surtout et voilà les fruits au soleil. Et donc c'est le citron vert séché au soleil. That's going to exhale all its aromas in the tomato, dans le coulis de tomate, donc qui va révéler tous ses arômes. Now, in here, I'm going to add a little bit of, as Jean-Michel calls it, some fond de poisson. Donc, on rajoute un peu de fond de poisson déshydraté. Just to give my my fish or prawns a little bit more. Voilà, pour renforcer interest. Un petit peu, renforcer le goût de cette sauce. I'm going to turn that, leave it off for a minute, just so that it's. Sits there and the flavor infuses. On le met hors du feu, on laisse les saveurs infuser. Next, I'm going to have Jean-Michel. Can you get me another of these frying pans? Merci. On a besoin de commis, Jean-Michel. Venez nous rejoindre. He's good. He is. He's very good. Next, we have. I'm going to just make Alors, some. On retrouve nos mini poivrons. Some garnish. Voilà. To go in the with the plate to make it come alive. So the rice will be a nice light brown color with some egg and some green coriander. And just so you know, we do have some to give you to taste as well. Absolutely. We made a lot. So absolutely. On va être très généreux aujourd'hui dans la cuisine. Thank et you. Si vous pourrez déguster hein, à la fin de cette recette, j'espère que ça vous met en appétit, même si c'est tôt le matin, mais il n'y a pas d'heure pour les braves. Ce qu'on prépare, vous pourrez le déguster. Alors, dans l'assiette, il y aura de très jolies couleurs parce que le riz comprendra justement la couleur rouge, la couleur verte de la coriandre, la couleur jaune, donc des œufs qui ont été cuits. Notre accompagnement ici, les tout petits poivrons qui sont rouges. So it's very colorful, that's important. Yes, well, you eat with your eyes. On commence à manger avec les yeux, that's very, right. Very important. When the cabin crew approach you with your plates and your cutlery, you see the food and you think, well, I want to eat that, that looks lovely. That's what we do. Et effectivement, lorsque les hôtesses s'approchent de vous avec le plateau pour vous le présenter, si tout de suite vous avez une belle image qui se présente à vous, ça vous met en appétit. But that's obviously that's true also for all restaurants for everything. Very true. That's very, very true. Important. Salt and pepper. Salt and pepper, big ingredient. Sel et poivre, voilà. Okay. Now I'm going to put this into the pan and I'm going to jump it. On va les saisir donc à feu très très chaud. And then after that, so my rice is nearly ready. My prawns will finish off in the sauce. Voilà, le riz c'est bon, il est cuit. Les gambas, ça y est, la sauce, ça y est. Et maintenant, voilà, on va saisir ces demi poivrons. Okay, that's gonna sizzle and jump. Donc, normalement, il devrait se mettre à sauter dans quelques secondes. As an accompaniment with this dish that is very refreshing, that comes from the Indian continent, we're going to serve it with a raita. And on va le servir avec de la raita. C'est très bon, ça. That's very good. In this raita, we have pan-roasted cumin seeds. On a des grains de cumin rôtis qu'on va ajouter dans cette raita. Greek-style yogurt, and then also we have some du yaourt à la grecque. Some coriander. De la coriandre, évidemment. That's all very yummy. This is
This is some that I made yesterday. Ça c'est celle que j'ai faite hier. It's very creamy. It's beautiful. Yes. It tastes it. It's very refreshing. Which goes très rafraîchissant en effet. Which goes well with the rice and the prawns in the dish. Donc voilà, ça va bien s'harmoniser avec le riz, avec les gambas et avec tout le plat qu'on est en train de préparer ce matin. You're very organized, chef. You have all your small portions, your all small boxes. That's impressive. That was because Marley told me to be. Good. Thank you. Yeah, she was standing over us in the kitchen yesterday. She was tough. Je dis mais c'est bien, vous êtes bien organisé, tout est bien portionné, tout est bien parfait. Il dit ouais, heureusement, il y a quelqu'un qui veille sur moi et qu'on a bien préparé ça hier pour venir vous montrer ce matin. What ça sent bon, it smells good. Yes, wow, yes. That's incredible. We have in the airline industry, all of our portions are put onto the aircraft in small aluminium containers. Tout est mis en portions dans des petites barquettes en aluminium. So for portion control, all the people get the same size portion and we have continuity and the crew know that that one dish is for one passenger. Absolutely. So we have consistency. Très attention au portionnage, pour être sûr qu'il y a la même quantité pour tout le monde, que ce soit égal. So that's your yogurt. Yes. So as you can see, the consistency is very thick. It's very sharp. Magnifique, du yaourt à la grecque. So the acid. Très épais. The acid inside the yogurt helps to digest the meat or fish. Et évidemment, les probiotiques du yogourt du yaourt vont aider en plus à la digestion. Donc c'est formidable. You're thinking about everything, actually. You have to. Vous pensez à tout. Il dit oui, il faut. Pan roasted cumin seeds. Donc on a nos graines de cumin qu'on a fait torréfier à la poêle. And then we have our fresh. We chopped coriander. On a notre coriandre fraîche, ciselée. Magnifique. Oui, magnifique. Wow. Do you speak French at all? Only under torture. Okay. Only after a couple of Scotch whiskies. Not even. I can't drink that stuff. It's okay. Fire water. Magnifique, très très beau. And I'm going to put my raita. Donc cette raita. Accompaniment into my small bowl. Voilà, dans le petit ramequin, c'est l'accompagnement donc de ce plat. It's fresh. Yes. It's cool. This is what we want to aspire to. Marley, can I get you to put that onto our tray table? Voilà, on va le faire passer. Si vous voulez voir déjà la consistance, hein, juste devant vous, parce que vous êtes chanceux ce matin. On est en petit comité, ça c'est quand même assez formidable. Vous pouvez donc profiter presque en toute intimité de cette recette préparée par Colin Billmore, chef, je le rappelle, hein, pour Qatar Airways, et qui nous prépare cette belle recette ce matin. C'est l'une des recettes qui est servie à bord en business, et c'est une table semblable en tout point à celle qu'il y a en business qu'on va dresser devant vous aujourd'hui. Are you ready? Êtes-vous prêt? Did you see that? Avez-vous vu ça? Encore. You're a magician. You can see here the nice long grains in the rice. Vous voyez les beaux longs grains de ce riz basmati. All of our liquid is gone. Voilà, tout le liquide est parti. All of our lovely stock, all of our lamb, our onion, our garlic, our butter is into the rice. Tout ce bouillon a été absorbé par le riz, l'oignon, l'ail, l'agneau haché. Now what we're going to do is at the last minute to make the rice nice and fresh and full of flavor, we're going to add our boiled egg, our freshly chopped coriander, and the pine nuts. Voilà, au dernier moment, on ajoute un œuf dur concassé, on ajoute la coriandre fraîche et les pignons qui, eux aussi, hein, qui ont été rôtis à la poêle, qui ont été torréfiés. And you do that at the last moment. The last minute. Of course. As I said before, you don't. Does that mean, it's a question, does that mean on board it has to be done at the last moment? This would be provided as it is in a small container. Okay. It would be heated up. But now what happens now is we don't want to cook. We want to heat the coriander so it's been added into the dish and the flavors infuse. We don't want to cook it too much. Same with the prawns. I'm going to drop them back into the sauce just to heat and then finally cook. Because if you start to boil prawns, they go like the bottom of your shoe. Absolutely. Really tough. So we don't want to do that. Il faut faire très attention aux cuissons parce que tout cela est appelé à être réchauffé à bord. Donc là, on le fait à la dernière minute. Mais évidemment, lorsque c'est préparé pour être embarqué,
Voilà le produit qui est embarqué. Voilà, maintenant on met les gambas dans cette très belle sauce à base de tomates dans laquelle on a fait infuser un citron vert séché au soleil. Donc on est vraiment sur la cuisine du golf et sur des recettes traditionnelles qui sont un peu la signature justement de Qatar Airways. It's a signature also of Qatar Airways, isn't it? It's a popular. We have had a lot of success with this dish flying on board. We've flown out of Heathrow, we've flown out of Paris. A lot of golf people like rice. They prefer more rice than they do the meat, etc. C'est un grand succès en tout cas de notre carte à bord des avions. Beaucoup de gens qui sont du golf adorent le riz. Parfois mangent le riz, laissent la viande tellement le riz leur a plu. So, oh, it smells so good. You like it? Ça sent bon, c'est génial. Okay. I might take the plane just to taste your food. Yeah. You know, it's wonderful. It's beautiful. Ça donne envie de prendre l'avion juste pour déguster ce que Colin nous prépare. Donc, again, fresh coriander. A little bit fresh coriander. Now we have our infused tomato sauce. We have the lumi still inside. Voilà, avec le citron vert séché qui infuse. What I'm going to do is I'm going to turn all the stoves off before it goes on fire. Voilà, donc on fait attention à nos mini poivrons qu'on a fait sauter. What I'm going to do is I'm going to make this on the plate. Let's see if you can see. Sorry. Yes, it's beautiful. To see what's going on. À l'odeur, le parfum est absolument formidable. So. Donc là, on va dresser une assiette telle qu'elle est servie aux clients, donc en business, à bord de Qatar Airways. So, this is our business class plate. It's Narumi China, bone china. We donc c'est de la vraie porcelaine, évidemment, c'est pas du plastique. No plastique, no. Well. The crew, we give the crew these, they're not symbols, they come with a ring. Donc le cercle de présentation est bel et bien présent. So you would have a foil with your rice, your prawns, your sauce, and then the red peppers on the side, and then the crew have a photograph in the galley. Le personnel a une photographie de ce à quoi doit ressembler l'assiette lors du dressage. Donc ils ont vraiment une commande très très particulière, ils savent quoi faire, il y a une photo, il faut faire comme sur la photo. So what we want is our guests to fly to have the same standard, the same quality, and it helps the crew, it gives them confidence as well to make sure that they're serving bien it correctly. Bien sûr, la régularité pour le client, mais aussi ça aide l'équipage à bord, qui ne sont pas évidemment des professionnels de la cuisine, ça leur donne confiance parce qu'ils peuvent vraiment voir si c'est ça ou pas. No. Our crew that fly on board, I admire them so much. They do such a great job for us. Moi, franchement, je les admire beaucoup, le personnel navigant, parce que voilà, pour nous, c'est très très important. Now, this is how the crew would serve it on board. It's not done like this just for the show. So you would be good to be a steward, right? You no. could do steward. No. Well, at least for the kitchen, no. right? I I'm making fun of him. Je dis alors comme ça, vous pourriez être steward puisque vous arrivez à bien dresser les assiettes comme il faut. Vous dites oui, non, mais moi je m'occupe de la cuisine, c'est déjà bien. Our team of chefs that work for me in menu development, who are fantastic guys. They on a une équipe de chefs qui travaille avec nous. Ils sont formidables. We conduct some training sessions with our crew so that they et donc on fait des formations évidemment pour le personnel navigant. Magnifique. Super. Now, if you next time you're flying on an aircraft, just take a peek around the corner and have a look at the amount of space that the crew have or they don't have. La prochaine fois que vous prenez l'avion, jetez quand même un coup d'œil pour voir l'espace que le personnel navigant a à sa disposition. Is it big or not big? It's small. It's small, voilà. C'est un très, très petit espace qu'ils ont à leur disposition. Ils font donc des miracles. Hein? They're doing miracles yes. in such a big, such a small place. Just put these around there. Voilà, on reprend nos poivrons, mini poivrons qu'on a fait griller, et on vient les disposer sur l'assiette. Magnifique. Super. And then I'm going to give this to Marley, who will then voilà. place it on. It's beautiful. It's colorful. Well, and what I'll do is. Magnifique. Oh.
Aïe, aïe, aïe. Vous imaginez s'il y a des turbulences à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? What about if we have turbulence right at this moment? Okay, well, the crew aren't allowed to, they're not allowed to serve during turbulence. They have to sit down. Of course. And if, okay, I'll just come around and I'll put a small... Voilà, de toute façon, vous pourrez vous approcher, hein, regardez. I think people, after we're finished, people can just stand up and come have a look. It's okay. Okay. Right. What about the raita? The raita we serve in a small bowl as an accompaniment. D'accord, donc la raita est servie en guise d'accompagnement dans le petit ramequin, donc à côté, on the side. Yeah. You can, it's your choice whether you can have it or not, voilà. But it is quite a popular accompaniment. Donc voilà, comme ça on peut décider si on s'en sert ou pas, mais l'accompagnement est l'un des plus populaires. That is beautiful, and it's perfect. And it's absolutely perfect. So in fact, you have a flying restaurant. That's what you're doing. Yes, yeah, yeah. En fait, vous avez un restaurant volant. C'est un peu comme ça qu'il faut envisager le job. A lot of people understand that you have to be very careful when you fly because you dehydrate. Your body needs more liquid. So attention, parce que quand on vole, on peut très rapidement être déshydraté. Donc, on a besoin de beaucoup de liquide. Drink more water. Faut boire plus d'eau. Plus, your taste buds tend to lose 30% of their effectiveness. So alors c'est intéressant ça, le goût, le sens du goût. On perd 30% de goût, de la capacité à goûter lorsqu'on s'élève en altitude. That's interesting. That's a challenge for you. So these type of dishes that have a lot of spices inside, a lot of flavor, they are well suited to flight catering. Donc effectivement, ce type de plat avec beaucoup de parfums, alors c'est pas piquant, hein, c'est pas épicé au sens de piquant, mais avec énormément de parfums, c'est parfait pour une circonstance comme celle-ci. Ça a toutes les qualités. So it must really be a challenge when you elaborate your menu. Well, the secret is not to over elaborate. Keep it easy, because the amount of portions that we're serving, 45 passengers in business class, 230 in economy. If you start going too elaborate, then it doesn't work. Le défi aussi, c'est de rester simple. Si on part sur des choses qui sont vraiment trop compliquées, on a quand même une cinquantaine de passagers à servir en même temps en première. On peut en avoir 200 en business. Ça fait vraiment beaucoup d'assiettes à dresser. Il faut rester simple, faire simple et efficace. That's beautiful, and it smells so good. And I'm sure they want to taste. Yeah, well, we do have, as it happens, we do have a small soupçon for you to try. Donc là, ça c'est intéressant parce que ce qu'on est en train de faire juste à côté, c'est réellement le packaging qu'on reçoit dans les avions, c'est bien ça? Dans les barquettes un peu plus grandes. Donc voilà, mais c'est le produit qu'on sert à bord des avions qu'on est en train de préparer dans des petites assiettes pour vous ce matin. So you can taste what really you might have a chance to taste on board, and it's being prepared here by our chef. It's very, very beautiful. It has been heated up, hein, donc ça a été réchauffé au four. Et ça, c'est vraiment le produit entre guillemets industriel, mais quand même, il y a un côté artisanal qui reste, hein, c'est bien ça? Absolument. Donc on se cale au plus près, nous dit-il, de ce qu'on peut avoir dans un restaurant traditionnel. And that's really one of the recipes we can have on board of Qatar Airways. What are the other recipes, Colin? For example, on the top of your head. Yeah, we do beef with truffle sauce. On fait également du bœuf à la sauce aux truffes. Oh my God. We use Balek salmon in first class and business class. On utilise voilà des très très beaux saumons en première et en business. We're conscious that we don't want to use too many products that are not sustainable, so we. On fait très attention à l'approvisionnement, que ce soit de l'approvisionnement durable. Mm-hmm. I've just recognized the man. The man from World and More. But we try and use fresh ingredients where possible, which is quite difficult to fly everything or bring autant it by boat faire ce to peu, Qatar. On veut bien prendre des produits frais, mais c'est un vrai défi, c'est très difficile. And also for the volumes as well. Et pour les volumes, évidemment, et pour l'approvisionnement, oui. So it's not easy. The logistics are quite difficult. La logistique est effectivement assez difficile. En tout cas, c'est réussi. Hein. That's a challenge that you success in, because as we can see and as we can taste this morning, yeah. I think it's a
It's a big success. Tomorrow you will come back with another recipe, Colin. Yes, another favorite. It's a Gulf-style chicken curry, which is not like Indian curry. It's more like an Arabic-style curry where they're using their own sets of spices, more cardamom, more ground clove that's in it. But that's another favorite with a rice as well. So again, we'll have some more to taste tomorrow as well. Donc demain, Colin Billmore cuisinera une autre recette qui figure parmi les meilleures recettes de Qatar Airways, un poulet au curry à la mode du Golfe. Donc c'est différent du curry à l'indienne, vous allez voir les épices ne sont pas tout à fait les mêmes. Là encore, vous pourrez déguster. Et si vous avez envie de revoir des extraits de cette belle recette que nous avons cuisinée ensemble ce matin, tous les soirs, sur la chaîne YouTube du Cial, vous pouvez voir un résumé des meilleurs moments de la journée. Et si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, au cours des prochaines semaines, même des prochains mois, vous pourrez voir des extraits qu'on vous aura préparés, que vous pourrez justement revoir, partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas également l'application pour vos téléphones intelligents, où sont listées notamment toutes les démonstrations de cuisine qui sont sur le totem lumineux derrière vous. Je vous invite à venir déguster ce que nous avons préparé pour vous. N'hésitez pas, levez-vous, hein, venez voir, on a tout ce qu'il faut pour vous faire déguster. Et si vous avez envie vraiment de manger des très très belles choses, ce midi encore, en vente à emporter, de la cuisine étoilée avec de très très jolis mets qui vous seront proposés. On est venu pour se régaler, on est venu pour faire des belles rencontres. This is what the Sial is all about and I hope you take advantage of it. Colin Billmore, thank you very much. You're welcome. It was a pleasure. Come back tomorrow and see us. Of course we will. Thank you. Thank you very much.